Bonjour Lisa, ça va? Salut, ça va? Viens-y toi. Bon sang, ce soir je ne vous mentirai pas. Si je ne sens pas, c'est que cette fille est là. Lisa, on ne se le dit pas, mais comment t'es venue à la chanson? En fait, il y a 5 ans, j'ai eu le déclic, j'ai écrit ma première chanson. C'était un ami qui m'avait entendu chanter et qui m'a dit « Lisa, tu devrais trop écrire et tout ». Et du coup, le lendemain, je vais rencontrer un musicien qui s'appelle Daniel Marsala. Et j'ai écrit ma chanson, je l'ai appelé et voilà, après on a fait plein de chansons ensemble. Alors comme ça, elle fait du cinéma. Ça n'a pas l'air d'être du Coppola. Tu te dis mannequin, ça sent la redoute. Tu souffres pas du syndrome de l'actrice qui chante, la mannequin qui chante? On te reproche pas ça un peu, d'une manière ou d'une autre? Bah on m'en parle souvent, hein, on me le dit, mais... Moi je m'en fiche. Là j'ai fait, cet hiver j'ai fait un film qui s'appelle Interdit d'enfant de Jacques Renard qui sera sur France 2 aussi, je suis abonnée France 2. Et ça passera en novembre 2012. Et puis là je viens de faire la deuxième saison de Deux flics sur les docks avec Jean-Marc Barre et Bruno Solo. Donc voilà, et je repasse encore des castings, tout ça, pour faire d'autres choses, on verra. On se dit pas, mais qu'est-ce qui t'agace le plus? Ce qui m'agace le plus, c'est quand je suis en sandales, j'ai un scooter, un petit Vespa, et quand je suis en sandales et que je prends le kick parce que ma batterie ne marche pas, et ben je me fais mal à chaque fois au pied, donc ça m'agace beaucoup. Adieu blonde platine, c'est moi les...